Je rappelle le sujet de la rédaction. Raconter une fête paysanne traditionnelle. Monsieur Paddle a choisi Halloween, un sujet d'actualité puisque cette fête commence ce soir. C'est vrai, vous avez aimé? J'ai adoré. Et d'ailleurs, je souhaiterais que toute la classe puisse profiter de votre prose. Moi, la fête paysanne que je préfère, c'est Halloween. Pourquoi? Parce que c'est le seul jour de l'année où l'on peut croiser de vrais fantômes. Des zombies, des blocs et des mutants de tout poil. Ce jour-là, ils se mélangent aux humains. Personne ne les reconnaît. Ils en profitent pour faire toutes les choses qu'ils ne peuvent pas se permettre en temps normal. Par exemple, aller faire leurs courses au supermarché pour faire des stocks de croustimouches. Et de papier toilette. Ils peuvent aussi essayer tous les nouveaux manèges au Galactic Park. Ou tester les dernières versions des jeux vidéo au City Game. Un tel tissu d'ânerie s'appelle un torchon, Monsieur Paddle. Si le prix Nobel de bêtises existait, on vous l'aurait décerné avec la mention « Très bien ». Mais monsieur, c'est prouvé, scientifiquement. Silence! Cette copie ne mérite qu'un double zéro pointé, venu tout droit de toutes les dimensions que vous voulez! J'ai lu une enquête très sérieuse dans Fantômes pratiques. Des savants dignes de foi partagent ta théorie. Le problème, c'est que Glossaire n'est pas un savant digne de foi. Mais qui dit théorie, dit observation, vérification et validation. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut apporter la preuve de ce que tu dis à Glossaire. Ça veut dire capturer un vrai fantôme? Waouh, la classe! Oh, t'as raison, Horace. Et c'est ce soir ou jamais. Oh, Jennifer. Oh, Jez. Je t'aime tant, Jennifer, tu sais. Oh, allez, c'est reparti. Des bonbons pour Halloween où je vous transforme en pudding. Pitié, ne nous jetez pas de sort et voilà pour vous, petite créature du diable. Et cessez de nous tourmenter. Non mais, programmer un épisode inédit de L'Amour en Flamme le soir d'Halloween, ça me met vraiment hors de moi. Et bien sûr, je suis sûre qu'on n'a pas les clés. Oh, il faut retrouver Kid ou nous risquons de passer la nuit d'Halloween dehors. Une chance qu'il soit sorti avec ses copains. Il y a 36 endroits où il peut traîner. Planète zombie, City Game ou Galactic Park. Le problème, c'est que les clés de la voiture sont dans le salon. D'accord, à toi le zombie, puce-tu-le. Ouh, hé les copains, je suis un vrai fantôme. Ouh, comme vous. Primo, on les attire. Secondo, on les fait sourire. Tertio, s'ils n'impriment pas sur la photo, on les aspire direct. Hey, mais ça va pas, moi j'ai mis un temps fou à coller tous ces bonbons à même la peau. Tac les gars, notre commando est parfaitement synchronisé. Les vrais fantômes n'ont qu'à bien se tenir. Les Kickbusters sont dans la ville, la chasse est ouverte. Attends, pour augmenter la puissance de l'aspirospectre, je dois encore gonfler le moteur de morph que j'ai gratté dessus. Ça me laisse le temps de te faire une beauté, Horace. Et d'ailleurs, juste un petit conseil d'ami. Change de culotte. Je sais, nous sommes ridicules, mais c'est la seule solution pour retrouver Kid avant la fin de L'Amour en Flamme. Je ressemble à un détritus ambulant. Mais non. Vas-y, Horace. Ouh, les copains. Et hop, un petit sourire. Alors, fausse alerte, ils impriment. Ce sont pas des fantômes. Kid, Big Bang, Horace, c'est quoi tout ce bazar? Oh, c'est juste Horace qui fait un petit peu de lèche-vitrine. Oh là là, faut que je change mes verres de lunettes. Allez, viens, Horace, on va t'en trouver pour voir de près. Salut, Billy, on se revoit à Noël, d'accord? Hein? Non! Bonsoir, monsieur Joystick. Vous n'auriez pas vu mon fils Kid et ses deux copains ce soir? Justement, ils étaient là il n'y a pas une minute. Ils vous ont laissé un message. Ouais, on dirait une toile d'araignée. Ça, c'est du Kid tout croché. Belle idée pour Halloween, mais je ne comprends pas bien ce qu'ils veulent dire. Eh ben, je vais vous expliquer, hein, c'est très simple. Si vous voulez vous donner la peine d'entrer, la comptabilité est au fond du magasin. Je souhaite montre, monsieur Paddle. Thank you.
deux derniers caramels mous et on dirait la créature des marais qui sort direct de son bain de vase. En plus, la bosse naturelle, ça fait mille fois plus réaliste que le zombie pustuleux. Ouais, bah j'espère qu'on va en trouver des fantômes. Moi, je commence à en avoir marre de jouer les Game of Thrones. Par la tangente de l'hypoténuse. Inutile de lancer les sommations d'usage. Aspirons. Hein? J'ai multiplié la puissance d'aspiration par 5. Oh, mais les fantômes, ils portent pas de caleçon rikiki. Mirado, en caleçon rikiki, sauf qu'il peut. Game over. C'est pas de ma faute à moi si Mirado a le profil d'un blore. On n'a toujours pas la preuve de l'existence des fantômes. En revanche, on a celle de la pointure de Mirador. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Kid, c'est toi le meilleur. Quel nul, vraiment, ce Kid. Obligé de laisser ma montre à Joystick en attendant de payer la réparation de sa vitrine. Non mais, je t'assure que Kid et ses deux copains, ils vont m'entendre. En tout cas, il faut faire vite. C'est l'heure de la pub, on a déjà raté la moitié de l'épisode. Monsieur Mirador, que faites-vous dans une telle tenue un soir d'Halloween et devant les enfants? Justement, monsieur Paddle, je souhaitais vous en parler en tête à tête. Prenez la peine d'entrer. J'ai deux mots à vous dire au sujet de votre fils et de ses deux copains. Vous devriez les surveiller un peu plus. Cette fois, j'en suis sûre. Vu que jusqu'à présent, on n'en a trouvé que des faux, statistiquement, on devrait maintenant enfin tomber sur un vrai. Ouais, j'espère, parce que les caramels mous, ça commence à me gratter. Bien vu, Kid. Et que viendraient faire des fantômes dans un train fantôme? On a vraiment le QI d'une guimauve à lunettes, Horace. Où pourrais-tu trouver une meilleure cachette si t'étais un fantôme? Départ dans 3 secondes. Ah, bah dans un train fantôme. Attendez. Combien de temps encore? Le dénouement approche. Jennifer va bientôt avouer son secret à Michael. C'est notre dernière chance. Oh, arrête de gratter, Horace. Mais c'est les caramels qui fondent, ça me démange. Patiente encore un peu, on est près du but. Encore un espoir. Trop tard, pas. Maintenant, c'est l'heure des informations. Couché avant minuit un soir d'Halloween. Quelle humiliation. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Et venez admirer Kid Paddle, le grand chasseur de fantômes. Le courage d'Indiana Jones associé à la rigueur scientifique d'Einstein. Cette fois, il nous ramène des confins du Nil, tout en glossaire la terrible momie qui refuse le repos éternel. Plus un rouleau de papier. Et les enfants qui sont déjà partis en classe. Hier à la porte de la maison, aujourd'hui coincés aux toilettes. Je suis maudit. Si je vous comprends bien, mon garçon, vous prétendez que votre ami Kid aurait capturé un fantôme la nuit dernière. Oui, et j'en ai la preuve scientifique et vous allez pouvoir la toucher du doigt. Kid? Silence, ectoplasme! Je vous présente Akhenaton, la momie pustuleuse. Depuis quand les momies portent-elles des lunettes? Et depuis quand les enveloppe-t-on dans du papier toilette? Triple épaisseur, parfum, senteur des îles. Et attention, monsieur, c'est fragile, c'est une antiquité. Même pas
mal. Aïe! Là, par contre... Fracture bénigne mais multiple, rassurez-vous, dans 15 jours, il sera rétabli. En attendant, il devra garder ses bandages. Il revient de loin, votre revenant. Vous n'avez pas un miroir? J'aimerais voir à quoi ressemble une vraie momie. Wow, on dirait la photo d'un spectre qui se dématérialise. Dis, Horace, tu peux nous prêter ta radio? Pourquoi faire? J'aimerais la montrer à quelqu'un qui ne croit pas aux fantômes. Allez, Horace, c'est un peu comme si tu donnais ton corps à la science. Ah non, merci, hein, je l'ai assez donné comme ça. Ça leur prend quand même beaucoup de temps aux enfants pour revenir de l'école. Game over.